OK. Ah ben, c'est pas mon chum Régent Drouin des... Ah ben, ça donne-tu bien? J'ai justement les excellents produits RD à ma possession. Je suis en train de... Écoute, mon chum Régent, je suis en train d'assister mon Riviera pour l'exposition qui va avoir lieu le 9 octobre prochain. À ne pas manquer, ça va se passer 5611 boulevard Bourque-à-Roqueforest, c'est voisin de la fameuse Canac, la firme Canac qui est située sur le boulevard Bourque. Alors là, je suis en train d'assister la voiture de façon à ce qu'elle soit rutilante pour cette journée-là. Glissement de V8, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant qui s'en vient. Check down. Ah ben. C'est mon chum, Johnny. Ah ben, Vieck, il a amené un petit chat. C'est Johnny Boisvert, un des responsables d'exposition, suivi de Michel Béliveau, avec un merveilleux Plymouth 1938. Salut! Salut les boys! Comment ça va? Comment ça va? Hey, t'es en forme? Hey, oui, vous autres! Coupez-moi les moteurs! Hein? On fait un party en pleine rénovation de mon patio. Venez-vous-en les boys, venez-vous-en. On a de la bière pour tout le monde. Ouais, on n'en prend pas. T'es comme moi. On l'a fait vieux, pas en manque. T'es comme moi, t'as fait vieux d'abstinence. Salut mon chum, Michel Béliveau, qui lui, va être sur place. Oui, lors de l'exposition, il va être sur place à l'inscription. Puis, as-tu amené mon rouleau de moitié-moitié? Je l'ai. C'est merveilleux. Hey, parle-moi donc de l'exposition. Comment ça se fait que tu as un chapeau de cowboy? C'est parce que moi, je vais danser le country là-bas. C'est sûr, ça? Oui, bien, il faut t'amener des chansons country. Bien, c'est sûr qu'il va y avoir un volet country. Oui. Shania Twain, Garth Brooks, etc. Puis... Mon chum Régent, viens donc te joindre à nous. On est les trois amigos habituels. Puis là, le quatrième moustiquaire qui s'ajoute avec nous. Et voilà. Ah, il va se peigner. Ah, regarde, on est à la bonne franquette. Je suis en train de refaire mon patio, moi, là. Non. Salut, gars. Salut, Régent. Salut, comment ça va? Hey, écoute. Vous parliez de quoi, là? Bien, là, on parle naturellement de l'exposition qui nous tient tellement à cœur. Ça se passe le 9 octobre prochain. Puis je vais laisser mon chum Johnny en parler parce qu'on est peut-être les quatre qui ont instigé l'idée. Fait que je vous laisse parler entre vous autres. Toujours moi qui parle. Je vais vous laisser parler, les boys. Hey, Ken, ça va faire du bien, ça. Ouais. Fait que ça va être une super belle exposition. On attend au moins pas loin de 300 véhicules, certains. Ça va tout rentrer là-bas. T'as du parking pour ça? Ah, d'après moi, il y en rentre 400. Ah, ouais, OK. Mais à 300, on sera bien content. Okay. Et puis, on va avoir de la musique, on va avoir les toilettes à l'extérieur aussi. Chose qu'on ne retrouve pas ça. J'ai fait des expositions de voitures anciennes cet été, et puis ça manquait, ça. Les gens, il fallait qu'ils aillent à l'intérieur d'une bâtisse qui était située beaucoup plus loin. Nous, on a loué les services de toilettes chimiques. C'est ça. C'est pas tellement loin, c'est à Roqueforest. Ça va être aux côtés du le magasin Canac. Fait que si vous arrivez de Sherbrooke, là, vous passez en avant de... Tu avais un garage dans ce coin-là, toi? Oui, oui, il était à l'autre bord sur... Okay. C'est ça. Bilodeau, l'isolation Bilodeau. Fait que c'est une grande coupe, vous ne pouvez pas le manquer. Puis quand vous allez arriver, là, ça se peut que la Corvette ou quelque chose comme ça va être sur le coin de la coupe. Puis il va y avoir déjà plein de véhicules qui vont être déjà là-bas. Ben, c'est à partir de quelle heure? Je pose la question, mais je sais. Mais juste pour le bénéfice. À 9h le matin, ça va commencer. Et puis, on vous attend un grand nombre. Là. Ça va être super le fun. La dernière qu'on a faite, on était à quoi? 100 quelque chose? Oui, oui. Puis, on s'était pris à la dernière minute. Et puis, ce qui est intéressant à souligner, c'est qu'on va avoir les moitiés-moitiés. C'est ça. Malheureusement, on n'a pas réussi à avoir les services d'un food truck. On s'est pris trop tard. Apportez votre lunch. Ou bien, il n'est pas loin, il y a le McDonald's. Ceux qui sont adeptes de fast-food, là. Ouais. Il y a un petit centre commercial à peu près à un demi-kilomètre de là. Fait que prévoyez le coup. Si vous amenez votre lunch, là, c'est correct aussi. Samedi matin? Oui, samedi matin, à 9h, on s'en va tout là-bas. Il annonce beau jusqu'à date. Et puis, ça va être super le fun, là. Oh, dites-le à tous vos amis qui ont des autos antiques et tout ça. J'en veux du monde. Faut. Des chars. On en veut des chars, là. Ça plaît. Toutes des 90 et moins. Oui, Michel? Les autosports, sont-ils acceptés? Ben oui, les autosports, ben oui. Regarde, on va... Ils sont récents, là.
On arrête, c'est près 90. OK. Ouais. Près 90, parce que la plupart des propriétaires de voitures anciennes, ouais, comme nous autres, ben, oui, ouais, on le fera. Ah, ben ça, ils peuvent venir avec le véhicule, ben, oui, c'est sûr. Ils peuvent les parquer dans le parking, ben, oui, avec. Mais si vous n'avez pas remisé votre bolide, là, parce que c'est vraiment la dernière exposition de 2021, manquez pas, oui, ça. Je veux dire, on va avoir beaucoup de musique. Moi, j'amène mon petit système de son. Et puis, l'entrée est minime. On l'a dit tantôt, on va le répéter, c'est 5 $. C'est 5 $ par véhicule. Fait que c'est réellement pas dispendieux. Puis les gens qui viennent voir, ça coûte rien, ça. C'est gratuit. C'est gratuit. Pardon? Contribution volontaire. C'est ça, c'est ceux ça. Qui viennent pour voir. Tu voulais pas c'est parler de ce produit-là, toi? Oui, ça, c'est... ça appartient à M. Régent. Les produits RD Régent Drouin. Oui. L'as-tu essayé, c'est ton auto? Elle est devenue brillante, mon chum. Ben, regarde, je vais vous dire une chose. Ça, c'est bien vrai, là. Ces produits-là, c'est formidable, OK? Voyez-vous la madame qui est ici sur mon hood? Elle était habillée avant que tu chaînes? Non, c'est pas ça. J'ai chaîné mon véhicule avec ça l'autre jour, avec ces produits-là. Quand j'ai mis les breaks, ça a tellement glissé qu'elle a descendu. Fait que là, il fallait que je la remonte, mais quand je vais trop vite, elle me rentre dans le windshield quasiment. Fait que c'est pour vous dire comment est-ce que c'est vraiment bon, ces produits-là. Ah, c'est super, ça. Donc, c'est un rendez-vous qu'on vous fixe. Manquez pas ça, ce rendez-vous-là. C'est samedi le 9 octobre. Puis s'il y a de la pluie, ce qui nous surprendrait, ça va être remis au 10, c'est-à-dire le lendemain, le dimanche. Comme c'est la fin de semaine de l'Action de grâce, bien naturellement, vous pouvez appeler pour réserver aussi sur la page Facebook de notre ami, soit Régent Drouin, soit Johnny Boisvert, la mienne, ou bien Michel Béliveau ici. Fait que c'est un rendez-vous. Hey, c'est un rendez-vous, les chums. OK, on vous attend tout samedi. Bye. Par là.